Galapagos. Yeah. Examiner les champs de la Genèse. On va là-bas, hein. Mais non. Laisse-nous tranquille, Clea. C'est un grand garçon, Pelagos. Una grande garçon. Una grande chico aussi. Donc là, quelqu'un parle, mais on connaît pas sa langue, évidemment. Oh non, laisse-moi tranquille, toi. Oh, je me casse. Oh non. En flemme. En flemme. Ils m'ont déjà assez saoulé comme ça. Non, flemme, laisse-moi. Toi, non, putain. Oh merde. Je rentre dedans. Tu peux pas me suivre, laisse-moi tranquille. Laisse-moi. Laisse-moi. Laisse-moi en paix. S'il te plaît. Lâche-moi. Tu me lâches, voilà. Pelagos. Entrez dans le berceau des naissances. Let's go. J'ai vraiment mis un coup d'épaule dedans, moi. L'oracle. Là, c'est certainement elle qui appelait au secours. Oui. Attendez, je comprends ce langage. Oui, nous sommes là pour vous aider. Attention, voilà d'autres dévoreurs. Préparez-vous. Ok. Il y a encore des... Oh mais oh là c'est trop. Mais les gars on peut pas juste fermer la porte. Si on l'a ouvert on peut la fermer. Encore un. Pourquoi il y a un alien? Il les a butés en plus. Il y a un mec en dirait tout. Mais en plus ça l'a muté. Attendez c'est alien isolation le truc là. Le sélectionneur. Ah c'est Didier Deschamps genre. Ok. Ok, pas de soucis. Parle allemand, elle. Qu'entendez-vous par là? Comment? Elle est dead. Ah non, inconscient. Ok. Je suis content de vous voir. Si je peux superbe. Faire quoi que ce soit pour vous. On se retourne au refuge. Ok. Ah oui, puis moi en sortant, je me tape les dévoreurs. Bah super, merci Pelagos. On peut pas faire comme Jaina des portails là. Trop dur. Idiot de Kyrio. Vous n'avez aucune idée des forces avec lesquelles vous jouez. Mais c'est elle qui nous a demandé de l'aide. C'est vrai. Ridicule. Un oracle ne s'abaisserait pas à parler à des créatures inférieures. C'est la vérité. Dites-leur, vous. Ouais, bah je vous le dis les gars. Hein. Cherchez-vous des réponses ou la vérité. Je suis là pour vous. Donc là. Peut-être que Firim le fera. Nous pouvons-nous le trouver? N'évoquez pas l'exilé en notre présence. Bon, du coup c'est ça l'exilé là? Non, 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 c'est pas lui. Non, ouais, l'exilé c'est Firim. Et justement, Firim le fera. Et donc c'est un exilé, il faut pas parler de lui. Ok. Alors pourquoi il est exilé? Bonne question. Ah c'est ce qui fait des expériences je crois. Justement sur des gars comme ça. Et on peut rentrer sans problème quand même. Hein. La sécurité moyen moyen. Bonjour. Ah. Yo. Ah c'est le cartel Lexi qui veut le buter. C'est nous. Mon aide, c'est moi qui ai besoin de la vôtre. Vous avez mené les assassins à moi. Oh bah bien sûr, monsieur. C'est un ouf lui, agent invisible. Tuer les assassins. Aide initialiser le ok. Bon, attends, c'est quoi ça? Alors, je dois prendre ça. Et faire quoi? Force surnaturelle là. Ok, bon, il a ramené l'oracle. Pelagos là. Agent invisible, c'est fait, j'ai tué. Donne-moi mon renom, mon ref. Donne le renom, donne le renom. Donne le renom aussi. Parlez à l'oracle Firim. Parlez à l'oracle Firim. Ok.
Ok, mais encore. Mais encore. Ah, petite cutscene. Ok, l'oracle fait un truc avec sa grosse paluche là. C'est un petit R2-D2. Regardez, c'est un petit R2-D2. Ah, oh, il est sur un brancard. Quel étrange petit automa. Oh. Il touche Choupinou. Oh, qu'est-ce qu'il ok. Qu'est-ce qu'il regarde comme ça? Ouais. Je vais inspecter la console. Et lui. Oh, ok. Pour apprendre le langage, là, c'est ça. Je peux déjà activer ça. Ah, je suppose que non, faut d'abord valider tout ça, non? Ouais, je pense. Il se barre! Votre coup, il s'enfuit quand même, hein? Et voilà. Et là, on est babysitter. C'est terrible. Bon, on doit s'occuper d'un enfant. Un enfant robot, mais un enfant. Let's go! Let's go! On n'est pas des darons ici. Alors, autre suisse en monture. Ok. Ok. Oh, il est là, le petit bébé. Ah, il se rebarre. Ah, il est là. Ok, un sur un et l'autre. Mais il est toujours plus loin, hein, vraiment. Ok. Voilà. Ah, emplacement trouvé. Oui, bah évidemment, oui, ça paraît logique. Harmonisation. Je sais plus si c'était 10 000 démons ou un truc du genre. Allez, Firim. Oh, un nouveau torse qui va me donner. Let's go. C'est vous qui l'a choisi. Oui. Regardez. Pas toi, mon ref. Montre-moi. Donc là, je peux débloquer ça. J'accepte. Ok. Donc là, il y a une petite cutscene. Ok, il me traduit. Et donc ça veut dire quoi? Pacopoc. Pocopoc. Il s'appelle Pocopoc? Ah ok, invocation de Pocopoc. Qui vous suit en faisant un mortis. Ok. Et donc là, j'améliore Pocopoc, c'est ça? Ok, bah il nous a traduit son nom. Pocopoc. La vie de la famille, mon ref. Regardez comme il est trop mimes. Dans le tournis, par contre. Ok, alors. Pas de prendre de contrôle. Ok. Ouais. Prendre ça. Pocopoc. Eh oui, Pocopoc. Waouh, attends, c'est quoi tout ça? Ah, tout ça, c'est pour Pocopoc, hein. Ok. Code code boom. Oh. Ok. Bon, déjà il y a des trucs à faire là-dedans. On va chercher dans les notes. Ok. Avancer. La gamique étudiée. Ok, ah et là déjà je peux avancer là-dedans. Ça fait que vous pouvez désormais tenter de décrypter les caches de la création, mais on a Pocopoc de détecter celles qui se trouvent à proximité. Son objectif c'est de tout débloquer en vrai. Vos colliers, let's go. Il est quand équipé. Attends, c'est-à-dire que ça je peux le revendre à l'hôtel des ventes. Ouais, non, je m'en fous, j'ai besoin de l'équiper, les gars. Je suis tout oui.
Pas le vert, faudra grand refuge. Ok, faut retourner au refuge. Attendant, patron Bezos se met bien. Ah, avec son crâne là. Ah. Faire même si on aura terminé les trois chapitres. En vrai. Paf. 226, let's go. Let's go.